Je vais commencer, puis les autres personnes qui ne sont pas ici nous joindront à mesure. Bonjour, je vais vous souhaiter la bienvenue dans le webinaire « Comprendre les comportements difficiles qui accompagnent la démence ». Mon nom, c'est Marie-Cécile Légère. Je travaille dans la région Kent et Chiliac. Ça fait un petit bout que je travaille pour l'Association canadienne de la santé mentale, à peu près 2 ans. Mais j'ai plein d'expériences en santé mentale dans la communauté, puis aussi avec l'hôpital. Alors, c'est un gros intérêt pour moi, la santé mentale. Je vais juste vous laisser savoir qu'une fois que la présentation sera finie, il va y avoir un questionnaire, mais pour pouvoir répondre au questionnaire, il faut que moi j'enlève ma page, que vous n'êtes plus capable de me voir. Et là, vous pouvez embarquer, vous allez voir un petit questionnaire. Puis, on vous encourage de répondre à ce questionnaire-là parce que nous autres, ça nous donne de la rétroaction sur comment est-ce qu'on a fait durant les présentations ou si on veut savoir l'opinion du public. Vous autres, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme webinaire? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, on apprécie ça parce que le public ou les gens comme vous autres répondent à nos questionnaires. Pour la deuxième chose, la manière que ça va marcher, je vais faire ma présentation, puis à la fin, je vais répondre aux questions. Mais si que vous voulez mettre les questions à mesure dans le question and answer, il y a une place dans le Q&A, sentez-vous libre de mettre vos questions là au fur et à mesure durant la présentation. Puis aussi, vous pouvez le mettre aussi dans le chat. Une autre chose, je viens d'une région très rurale, alors des fois mon internet va avoir des interruptions. Si je m'en aperçois, j'arrête pour une couple de secondes, mais si je m'en aperçois pas, je vais continuer. Alors, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours m'aider, puis je vais vous le répondre à la fin aussi. Il y a trois petites dernières choses. Je vous encourage d'aller voir notre page site web. cmhand.ca. C'est là où on met toute la cédule de nos webinaires. Aussi, je vous encourage d'aimer notre page Facebook, Canadian Mental Health Association of New Brunswick. Puis, on a aussi une page YouTube, pas une page YouTube, mais une chaîne YouTube où ce que, les webinaires sont postés durant la semaine. Donc, on vous encourage de aller subscriber. Des fois, j'oublie les mots français. Subscriber à notre page YouTube, puis mettre les notifications. Là, comme ça, vous pourrez avoir un message qu'on a des nouveaux webinaires. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Là, on va commencer. On va parler aujourd'hui de comprendre les comportements difficiles qui accompagnent la démence. L'Association canadienne pour la santé mentale a été fondée en 1918. Ça fait un petit peu fait de son temps qu'on existe. C'est un organisme de bienfaisance nationale qui contribue au maintien et à l'amélioration de la santé mentale des Canadiens et des Canadiennes. Alors, à titre de leader et champion national en santé mentale, la CSM facilite l'accès aux ressources communautaires dont les gens ont besoin pour renforcer leur résilience et pour favoriser leur rétablissement après avoir souffert d'une maladie mentale. Donc, il y a 18 régions au Nouveau-Brunswick. Il y a 3 gros bureaux, Fredericton, Moncton, Saint-Jean. Ensuite, là, il y a des coordinateurs ou coordinatrices en éducation communautaire dans chaque zone. Alors, tu en as dans la péninsule acadienne, tu en as une dans la péninsule acadienne, tu as moi en Kent, qui fait tout le comté Kent et Chediac,
t'as Westmoreland, Albert, et comme ça. Alors, on peut aider aux communautés plus rurales. On a aussi le programme provincial de soutien par les terres, puis on a un programme d'emploi appelé Working Stronger Together, travailler ensemble pour la santé mentale. Là, on va commencer. La démence décrit un groupe de symptômes qui affectent la mémoire, les pensées et les habiletés sociales. C'est une maladie assez sévère qui affecte la vie de tous les jours. Puis, avec la démence, il y a différents types de démence. Il y a la maladie d'Alzheimer, la démence vasculaire, démence à cordes de Lewy, démence frontotemporale et maladie de Parkinson, maladie Huntington, puis le VIH. Il y a plusieurs types de demandes, comme que vous voyez sur ma diapo. Ben, moi, je suis vraiment pas un expert quand ça vient à la démence. Alors, si vous voulez en savoir plus de détails, je vous encourage d'aller voir la page Société Alzheimer's du Nouveau-Brunswick. Pour la démence, chacune de ces affections a sa propre pathologie et ses caractéristiques distinctives. So, quand on pense au type de démence que je finis de nommer, aussi chacune a ses propres symptômes, mais il est souvent très difficile de les différencier dans les premiers stades. Dans les stades avancés de la démence, l'invalidité est généralisée. Ici, on va regarder aux symptômes co comportementaux de la démence. Alors, il peut y avoir des mouvements brusques, des cris. La personne peut faire des cris. La personne peut être agitée. Il peut y avoir des errances, hein, comme si je pense à des foyers, des vieillards, il y a certaines personnes avec la démence qui se promènent dans le couloir, en haut, en bas, ils se promènent beaucoup. Il y a aussi des comportements sexuels inappropriés. Il peut y avoir des usages de jurons. Mais ça, c'est juste des certains symptômes. Il peut y en avoir d'autres aussi. D'autres symptômes, il peut avoir, la personne peut expérimenter de l'anxiété, de la dépression. Alors, quand que la personne expérimente la dépression, ils peuvent s'isoler ou même démontrer la tristesse. Ils peuvent avoir des hallucinations. Pour un exemple, voir des personnes dans la maison qui n'est pas nécessairement dans la maison, mais la personne croit qu'il y a des personnes dans la maison. Des délires, penser que quelqu'un a volé tout leur argent, mais en réalité, ils ont peut-être perdu leur argent parce qu'ils ne s'en rappellent plus où est-ce qu'ils ont placé leur argent. Puis aussi, ils peuvent avoir des symptômes d'apathie. Des symptômes d'apathie, c'est d'absence ou des suppressions de passion, des émotions, excitation ou même des intérêts. So, peut-être que la personne aimait beaucoup de crocheter, faire du crochetage. Une fois qu'il commence à avoir la maladie, ils sont moins intéressés à faire du crochetage. Ça, c'est juste des symptômes psychologiques. Aussi, 90% des cas des personnes qui expérimentent la démence, ils ont des changements de personnalité. Pour les changements émotionnels, jusqu'à 80% des cas peuvent expérimenter de la dépression. 3-15% des cas peuvent expérimenter de la manie. Puis lorsqu'on parle de manie, c'est avoir des highs, avoir comme des augmentations d'énergie.
aussi 50, des changements comportementaux. Jusqu'à 50% peuvent avoir des comportements agités et jusqu'à 20% qui peuvent avoir de l'agression. D'autres petites statistiques, 20 à 73% des cas peuvent avoir des délires, 23 à 50% peuvent avoir des difficultés à reconnaître des gens, puis 15 à 49% peuvent avoir des hallucinations. Donc, avec tous les symptômes ou signes que j'ai dit, faut pas oublier aussi que la personne oublie des choses. Soit oublie où est-ce qu'elle a mis des certaines choses, oublie des certaines personnes, ou même ce son, ça peut rester dans sa maison et puis reconnaître qu'elle reste dans sa maison. Puis là, je vais en parler un petit brin plus bientôt. Lorsque la personne expérimente la démence, il peut avoir des causes courantes de, il peut actuellement, il peut avoir des comportements difficiles. Excuse-moi pour le bruit arrière. En travaillant de la maison, j'ai d'autres personnes avec moi qui ont besoin de travailler. On partage un office. Excuse-moi pour ça. Alors, pour me reprendre. Les personnes qui expérimentent la démence, ils peuvent avoir des comportements difficiles. Et là, on va regarder les causes courantes de ça. Ils peuvent avoir des mauvaises interprétations comme leur environnement. Si on pense à l'environnement, c'est comme que je vous disais un petit peu tantôt. La personne peut peut-être rester dans son loyer original. Mais elle ne s'en rappelle plus que c'est chez eux. Elle pense peut-être que c'est une place où est-ce que, elle pense peut-être qu'elle est à l'hôpital ou elle pense peut-être qu'elle est dans un foyer. Juste pour vous donner des exemples. Fournisseur de soins. La personne prend son fournisseur, peut-être prend son fournisseur de soins comme une autre personne. Juste pour vous donner un exemple, j'ai une personne assez proche de moi, de ma famille, que sa mère expérience de la démence. Puis, elle reconnaissait plus sa fille. Elle savait que sa fille s'appelait, je vais l'appeler Joséphine, mais même si Joséphine restait avec elle, elle pensait que Joséphine était sa femme de ménage. Alors, c'est très dur pour la famille quand ça arrive. D'autres interprétations, des signaux puis des indices. Il peut aussi avoir des problèmes médicaux sous-jacents, comme peut-être il faut savoir que parfois une infection peut provoquer un délire chez les personnes âgées, comme une infection de voie urinaire. Il peut aussi avoir des comportements difficiles lorsque la personne a des douleurs au dos ou des douleurs aux dents. La bouche, rupture de l'épiderme, éruption cutanée, etc. Parce que la personne parfois la personne qui vit avec la démence ne peut pas communiquer comme qu'ils pouvaient auparavant. Puis, ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ont des douleurs. Alors, c'est comme ça ils peuvent avoir des comportements difficiles. D'autres causes fréquentes pour les comportements difficiles. La peur. Je vais juste espérer une seconde. Mon Internet est en train de... Là, je vais bien commencer. Mon Internet était un petit peu long. La peur, la fatigue, l'ennui. Ça peut donner des causes pour le comportement difficile. Aussi, des situations où l'agression à l'endroit des fournisseurs de soins sont plus fréquentes sont... Lorsque on est en train de donner des soins personnels à la personne, par exemple, donner leur bain, faire les aider avec la toilette, l'habillement, l'alimentation, il faut garder en tête que les personnes avec la démence étaient des personnes peut-être très autonomes auparavant. Puis,
avec la maladie qu'ils ont rencontrée ou qu'ils expérimentent, c'est difficile de perdre leur autonomie. Alors, c'est pour ça que des fois, des comportements difficiles peuvent atteindre, surtout durant les soins personnels. Les personnes atteintes avec la démence, ils peuvent résister à faire de certaines choses, mais aussi ils peuvent avoir l'agression. Alors, on va juste voir sur ici, sur mon tableau, les deux différences de résistance versus agression. Alors, je vais commencer par la résistance. La résistance est une tentative de se protéger d'un préjudice et dans les cas de défiance cognitive, une réaction instinctive devant l'incompréhension de l'environnement ou des attentes. Quand ça vient à des agressions, des comportements empreints de colère et destructifs, par lesquels la personne tente de causer des torts physiques ou émotionnels et de dominer. Et aussi, avec la résistance sous-entend une action plus défensive, versus l'agression, c'est un sous-entend d'une action offensive. La résistance se produit en une réponse d'une action, mais l'agression peut se produire sans provocation. Peut-on prévenir les comportements difficiles? Les problèmes de comportement sont souvent provoqués par des besoins insatisfaits ou un manque de compréhension de la personne qui souffre de la démence. Il pourrait être essentiel de recueillir des renseignements au sujet de la personne que vous soignez ou traiter pour comprendre. Alors, si que, vous êtes un fournisseur de soins qui travaille dans un foyer de soins où il y a plusieurs personnes qui expérimentent la démence, c'est important de savoir, de recueillir des renseignements au sujet de la personne, puis ça aide à les traiter. Prévenir et ultimement traiter les problèmes de comportement qu'elle pourrait connaître en raison de sa maladie. Alors, lorsqu'on évalue des comportements difficiles, il y a plusieurs questions à se poser. On peut se poser quel est le problème plus précisément? Pourquoi est-ce un problème en ce moment? Quelle personne son comportement affecte-t-il? Y a-t-il un risque pour la sécurité? Alors, pourquoi est-ce un problème en ce moment? Ça, c'est dans cette question-là, on peut demander d'autres plusieurs questions. On se demande, la situation est-elle nouvelle? Est-ce que la personne est dans un autre local qu'habituellement elle ne va pas? Ou est-ce que la personne, si je vous donne un exemple, ma grand-mère expérimente la démence aussi, puis elle reste avec ma mère. Si qu'ils vont en voyage l'été, on aime d'aller camper. Ben, elle peut démontrer des comportements des fois lorsqu'on est au camping qu'elle ne démontrerait pas à la maison parce que la situation est différente. S'agit-il de la réapparition d'un comportement du passé que l'on avait réussi à contrôler? Peut-être qu'on avait un problème de le temps avant, puis c'est un comportement qui revient. Y a-t-il des augmentations de la fréquence ou la gravité du comportement? Encore, si je donne un exemple pour ma grand-maman, elle venait incontinent quand on perdait l'électricité. Il y a eu 2, 3 jours, je pense c'est l'année passée, où on a perdu l'électricité pour 2, 3 jours, puis il y avait des nouveaux comportements qu'on voyait de ma grand-mère. Puis ensuite, une fois la vie est venue de nouveau à sa normale, qu'on a
qu'on a reçu l'électricité de nouveau, elle est devenue comme qu'elle était de nouveau avant qu'on perde l'électricité. Alors, c'est des questions à regarder, des situations à regarder. Pour la dernière, y a-t-il quelque chose ou quelqu'un de nouveau dans la vie de la personne? Faut garder en tête que la personne identifie peut-être une autre personne qui lui fait penser du passé. Alors, si que y a des comportements, disons que Yvon vient visiter ma grand-mère, je vais prendre ma grand-mère comme exemple. Puis ma grand-mère commence à avoir des certains comportements, mais peut-être il fait penser à quelqu'un dans son passé qu'elle aimait moins ou quelque chose de même. Alors, faut regarder à cette question-là. Y a-t-il d'autres changements? Est-ce qu'il y a eu d'autres changements dans sa vie? Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui s'amènent, spécialement comme lorsque dans des foyers de soins, les employés ont changé, y a-t-il des nouveaux employés, y a-t-il des employés ou est-ce que peut-être qu'à partir qui avait une bonne relation entre la personne qui expérience la démence, puis cet employé-là, puis là, cette personne-là est plus là. Alors, il y a beaucoup de questions à garder en tête lorsqu'on évalue la personne ou le comportement. Et d'autres questions, quelle personne ce comportement affecte-t-il? Alors, le comportement pose-t-il des problèmes pour la personne elle-même? Excuse-moi. Est-ce que le comportement met d'autres personnes en danger, les irrite ou les bouleverse? Hein, parce que c'est important, c'est que le comportement de la personne met d'autres personnes en danger. C'est sûr qu'on veut arrêter ce comportement-là ou, je dis arrêter, mais essayer de gérer ce comportement-là. Le comportement bouleverse-t-il le fournisseur de soins ou nuit-il à la présentation de soins, prestation de soins? Est-ce que le fournisseur de soins peut continuer à faire son travail quand même, ou que ça peut nuire au travail, aux soins de la personne. Le comportement se manifeste-t-il à tous les corps du travail, avec tous les employés ou seulement un employé en particulier? Comme que je disais dans la diapo auparavant, peut-être un employé en particulier fait penser à la personne qui expérience la démence, à des mauvais souvenirs lorsqu'elle était enfant ou quelque chose de même. Alors, les comportements difficiles peuvent apparaître de nouveau ou apparaître nouveau. Seulement avec les femmes ou les hommes, seulement si les soins comprennent un bain. Alors, il y a beaucoup de choses à évaluer lorsqu'on regarde aux comportements difficiles. Prendre des mesures à l'égard des comportements difficiles. Alors, c'est important d'avoir une approche générale face à des comportements nouveaux ou troublants. Il faut chercher la cause sous-jacente. So, en cherchant la cause, on peut demander les questions de l'évaluation que j'ai parlé de tantôt. On peut aussi penser des besoins non remplis. Est-ce que madame ou monsieur a besoin d'aller à la toilette? Est-ce qu'ils ont faim? Est-ce qu'ils ont soif? Peut-être qu'ils ont de la douleur, peut-être la constipation. Alors, c'est important de traiter, essayer de voir c'est quoi les causes adjacentes, puis traiter les causes sous-jacentes. Une approche générale face au comportement nouveau ou troublant. Il faut être conscient des capacités fonctionnelles de la personne aussi. Il faut revoir notre style de communication. Et c'est vraiment important lorsqu'on communique avec la personne qu'on parle lentement, clairement et respectueusement. Il faut utiliser des instructions simples, puis une étape à la fois. Alors, si je pense à ma grand-mère, puis je lui dis, va chercher tes souliers.
Ma grand-mère, elle a encore une poche où casser où ce qui est ses souliers, puis elle pourrait aller chercher ses souliers. Mais si je lui dis, va dans ta chambre chercher tes souliers, puis mets-les sur tes pieds, ça va être trop d'étapes pour elle, puis elle va pas pouvoir le faire. Alors, faudrait, je dirais, une étape à la fois. Mais Mère, on va aller à ta chambre, une fois qu'on a la chambre, là, prends tes souliers, une fois qu'elle a ses souliers, mets tes souliers. Là, elle pourrait les faire. So, c'est important juste d'utiliser des instructions simples, une étape à la fois. Il faut aussi faire attention à notre langage corporel et celui de la personne. C'est important dans la communication, c'est pas juste nos mots qui sont importants, mais aussi notre langage corporel. Alors, si on a, je ne sais pas moi, le langage corporel démontre l'agression dans la position qu'on est. La personne peut être intimidée ou si la personne peut peut-être se sentir en danger, puis avoir un comportement, venir agressif ou quelque chose. Aussi, il faut faire attention au langage corporel de la personne. Est-ce qu'elle a une posture, pas une posture, mais est-ce qu'elle a un ton agressif? Alors, c'est important de tout regarder à ça. Se renseigner au maximum au sujet de la démence. Comme n'importe quelle autre maladie, surtout si on est fournisseur de soins ou si on est un membre de famille avec une maladie, c'est important de se renseigner le plus qu'on peut sur cette maladie-là. Alors, ici, on parle de la démence, je vous encourage, si vous avez une personne ou proche ou vous travaillez avec des personnes, renseignez-vous sur la maladie, puis surtout sur la façon dont ça affecte la personne. Puis, quand on se renseigne, là, on peut voir certains signes, puis on va savoir, ah, ben, c'est à cause de la maladie. Il faut garder aussi en tête que la personne, si je prends encore ma grand-mère, elle est encore ma grand-mère, puis elle a encore des sentiments. Alors, si elle a un comportement que je veux discuter avec ma mère après ce que j'ai pris garde à ma grand-mère, je ne vais pas en parler en avant de ma grand-mère parce que moi, je crois qu'elle a encore des. Je suis sûre qu'elle a encore des sentiments. Alors, je vais en parler en privé avec ma mère. Même si ils ont tous ces comportements-là, il faut quand même bien les prendre garde avec puis respecter leurs sentiments. Il faut aussi pas oublier d'utiliser des prothèses auditives, ceux qui ont de la misère à entendre, puis des lunettes. L'ABC de l'intervention comportementale. Alors, si que la personne a un comportement difficile, on commence par ABC pour faire l'intervention. So, A, c'est les antécédents. Faut évaluer qu'est-ce qui s'est passé avant que l'incident ou le comportement se produise. Qu'est-ce qui était là? Quelles étaient les circonstances? Alors, si qu'on pense, si qu'une personne a fait une crise ou si qu'un comportement a fait une crise, ben, c'est quoi ce qui s'est passé juste avant sa crise? Peut-être qu'il y avait beaucoup de tensions dans la famille cette journée-là. Puis la personne n'aime pas la tension. Des choses de même. C'était quoi les circonstances? Ensuite, on s'en va à B. Quoi, quand et où? Alors, peut-être que la personne demande plus de comportement lorsqu'elle est en dehors de sa place sécuritaire, son endroit sécuritaire qui est sa maison ou son endroit où elle vit.
Exemple encore, lorsque on portait notre grand-mère au camping avec nous autres. Que s'est-il passé précisément? Combien de temps la situation a-t-elle duré? Quand la situation s'est-elle produite? Où s'est-elle produite? Alors, ça, c'est toutes des choses importantes à regarder. Aussi, c'est quoi les conséquences, le C? C'est quoi l'intervention à l'égard du comportement? Que s'est-il passé? Alors, pour un exemple, peut-être que ma grand-mère est venue agressive. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment est-ce que j'ai pu aider à arrêter l'agression? Peut-être j'essaie de changer ses idées. Ma grand-mère, elle aime beaucoup des barres de chocolat. Alors, j'ai peut-être offert une barre de chocolat. Hein? Qui fait quoi à qui? Toutes ces choses-là sont importantes à noter. Toutes les interventions, qu'est-ce qu'a réussi ou non. C'est important d'avoir un petit cahier ou un petit journal, puis écrire ces choses-là. Surtout lorsqu'on commence à travailler avec une personne avec la démence qu'on connaît moins ou qu'une personne commence à expérimenter la démence, que ce soit notre copain, copine ou notre maman, papa. Le plus qu'on peut noter leur comportement ou leurs signes, puis comment est-ce qu'on a pu intervenir, là, ça nous démontre qu'est-ce qui a marché puis qu'est-ce qui n'a pas marché. S'il y a quelque chose qui n'a pas marché, mais on ne va pas essayer ça de nouveau. C'est quelque chose qui marche, on pourrait le faire de nouveau s'il y a une autre situation qui est là. Des principaux problèmes de comportement qui ne peuvent pas être traités avec des médicaments. Alors, il y a certaines choses que des médicaments peuvent aider, mais il y a certaines choses que les médicaments ne peuvent pas aider. Alors, l'errance, hein, le promenage que je vous ai dit, qui est un des signes que je vous parlais de au commencement. Miction ou défécation inappropriée, de l'incontinence, uriner ou faire ses toilettes, pas dans la toilette. Façon inappropriée de s'habiller ou de se déshabiller. La personne va peut-être, si on leur dit d'aller mettre leur pyjama, mais ils vont peut-être pas enlever leur linge de la journée. Ils vont peut-être mettre leur pyjama par-dessus leur linge de la journée. De la répétition fréquente, que ce soit la répétition à faire des certaines choses ou de la répétition de parler. La personne se répète parce qu'ils ont oublié que il y avait déjà parlé de ça. La tendance à cacher ou accumuler des objets. Les personnes que moi j'ai vues avec la démence, il y en a plusieurs qui cachaient leur argent ou leurs lunettes. Je sais que ma grand-mère avait perdu ses lunettes, ça faisait comme 2 semaines qu'on ne pouvait pas les trouver, puis ils étaient en dessous. Dessous son bureau. Ils ont aussi tendance à cacher peut-être que s'ils portent des couches parce qu'ils sont incontinents, ils peuvent cacher leurs couches. Là, ça vient un petit brin plus difficile. La consommation de choses non comestibles. Ils peuvent manger des choses qui sont pas mangeables, puis aussi ils peuvent faire des activités agaçantes comme tirer sur des portes. Il y a des défis particuliers, comme des questions répétitives. Peut-être que la personne, ça fait peut-être 30 ans que sa femme est morte, mais elle va demander où est ma femme ou qu'est-ce que je fais maintenant. C'est souvent que ma grand-mère demande qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant. Ou dans certains cas, ignorer les questions répétées. Dans certains cas, on peut ignorer les questions répétées peut fonctionner,
Mais aussi, on peut distraire la personne avec la nourriture. Pour ma grand-mère, comme je vous le disais, la barre de chocolat. La présence d'une autre personne ou une activité. Ma grand-mère aime beaucoup ses petits-enfants. Alors, je peux lui dire, oh, allons voir ma fille. Ça va la distraire. Il faut aussi, il faut réagir ou répondre au contenu émotionnel du message plutôt qu'aux mots. Controverse entourant l'usage thérapeutique des mensonges. Alors, quand ça vient à des difficultés plus comme violentes, verbales ou physiques, c'est important d'essayer d'intervenir rapidement. Essayez d'éviter les situations qui font réagir la personne. Parlez d'une voix calme et rassurante. Alors, c'est sûr que nous autres, même comme fournisseurs de soins, c'est important de rester calme et rassurer la personne lorsqu'elle est en violence verbale. Évitez d'argumenter ou confronter la personne s'il est agité. Puis approcher la personne tranquillement en lui faisant face. Il ne faudrait jamais aller par derrière une personne puis surprendre la personne parce que la personne peut nous donner un coup de poing ou quelque chose. Alors, c'est toujours plus facile de faire face à la personne. Alors, on peut voir à quel mouvement ou qu'est-ce que la personne va faire aussi. Encore pour la violence verbale ou physique, faites un usage judicieux du toucher. Le toucher peut réconforter ou provoquer. Alors, si qu'on peut-être juste toucher la personne sur l'épaule, mais il faut garder en tête que parfois ça peut réconforter la personne, mais aussi ça peut provoquer que la personne vienne agresser. Encore, on le fait, on avance la personne pour que la personne puisse voir et non par en arrière pour surprendre la personne. Adopter un regard non menaçant. On parlait tantôt que excuse-moi, la communication corporelle ou le langage corporel est important. Alors, un regard non menaçant est important d'avoir. Abaissez votre regard à la hauteur de celui-là de la personne. Alors, parlez à la personne de yeux à yeux et pas parler par-dessus la personne ou ce qu'on utilise un mode autoritaire. Puis aussi, on peut trouver des distractions. On a parlé des distractions. Peut-être que la personne aime d'aller prendre une marche dehors ou peut-être que la personne, on peut peut-être les amener, si qu'elle n'est pas en danger de fuite, l'amener prendre une marche dehors. Ou peut-être que la personne aime d'écouter de la musique, on peut peut-être lui offrir d'aller écouter la musique avec elle. Les personnes qui expérimentent la démence peuvent aussi avoir des comportements sexuels inappropriés. Alors, ils peuvent faire des demandes verbales de relations sexuelles. Si ces demandes sont attribuables à la démence, elles sont causées par la détérioration du lobe frontal qui contrôle le comportement social et acceptable et les impulsions. La personne n'est pas très disposé au changement dans les stades plus avancés de la démence. Les employés peuvent répondre fermement non, essayer de la distraire ou utiliser d'autres techniques selon le niveau de défiance cognitive de la personne. Sa personnalité avant la maladie et le niveau de confort des employés. Le traitement met souvent l'accent sur l'intervention et l'attitude des employés. Alors, c'est important ça dépend comment le traitement va aller, mais l'intervention puis l'attitude de l'employé fait toujours une grosse différence. Alors, si qu'il y a une demande verbale pour des relations sexuelles, il faut être ferme puis dire non à la personne. Des examens. La qualité des soins que nous offrons aux patients et aux familles
touchés pour ces maladies dépend de notre compréhension de la déficience cognitive. Notre compréhension d'une personne au-delà de sa maladie nous aide à mieux comprendre, à mieux gérer leur façon d'être et leur comportement problématique. Aussi, certains problèmes sont très simples, mais peuvent devenir très compliqués en raison des systèmes et des politiques qui ne tiennent pas compte du fait que la démence affecte la personne qui souffre en tout temps. Le manque de communication peut aussi jouer un grand rôle. Il faut apprendre à connaître les personnes que l'on soigne, leurs besoins en matière de santé et le réseau de soutien qui l'entoure. Alors, comme que je disais, c'est très important de se renseigner des signes, des symptômes, de se renseigner pour la maladie, mais aussi c'est important pour avoir un bon réseau de soutien pour le fournisseur de soins. Il faut se porter à la défense de leurs droits. Puis encore, comme n'importe quelle maladie mentale ou n'importe quelle personne qui a des maladies qui ne peut pas communiquer leurs droits, c'est important que les fournisseurs de soins font la défense pour les droits de la personne. 10 principaux problèmes pouvant parfois être remédiés par des médicaments. Alors, il y a certains problèmes que les médicaments peuvent aider, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut aider l'agression physique, l'allégresse, élocution rapide et l'hyperactivité. Ça peut aider avec les délires et le paranoïa, les hallucinations, le comportement sexuel inapproprié. Ça peut aider avec l'anxiété, l'agitation, les tristesses, les pleurs, l'insomnie, les replis, l'apathie, la régression, puis la violence verbale. J'espère que vous avez eu plein de bonnes informations. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel ou si vous voulez plus d'informations. Comme que j'ai dit, moi, je ne suis pas une experte dans ça, mais je peux vous envoyer des liens de site web, si vous voulez. Mon courriel est là. Puis, je vais arrêter de partager mon écran pour que vous me voyez à plein. Et je vais répondre aux questions. Alors, avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Tout était-tu pas mal clair? Ok, j'ai une question. Que veux-tu dire quand ce que tu dis usage thérapeutique du mensonge? Moi-même, quand je l'ai dit, je n'étais pas sûre, mais. J'encourage jamais personne de compter des mensonges, mais je pense que ce qu'ils veulent dire par ça, c'est pas nécessairement dire compter un mensonge, mais disons la personne demande où est ma femme, puis que ça mettrait, on sait que ça. Crée une crise lorsque on leur dit que sa femme est morte, peut-être juste lui disant que sa femme n'est pas ici avec nous autres à ce moment. Donc, pas parler de la mortalité, mais dire elle n'est pas ici à ce moment, puis ensuite le distraire. J'espère que
Ça peut répondre ta question un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut avoir la présentation? Malheureusement, on ne peut pas partager nos présentations, mais est-ce qu'il y a certaines choses que vous voulez spécifiques? Je peux vous le partager en courriel. Si je pense au ABC, comment intervenir le ABC, je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes, ou même les questions de l'évaluation. Si c'est quelque chose comme ça qui vous intéresse, je peux vous fournir en courriel. Vous avez juste besoin de m'envoyer un courriel. Mon courriel est dans le chat. Quand la personne ne veut pas du bruit dans la maison et il dispute, comment faire comprendre à les enfants ce qui se passe avec leur grand-père et pourquoi? Très, très bonne question. C'est vraiment difficile pour une personne, pour les enfants de comprendre que PPR a de la démence. J'expliquerai juste aux enfants, ça dépend aussi si les enfants restent avec eux permanents ou c'est juste parce que les enfants vont visiter. J'expliquerai que PPR est malade, puis que ça fait mal à ses... Puis dépendamment à quel âge qu'est les enfants, que ça fait mal aux oreilles à PPR lorsqu'il y a beaucoup de bruit. Alors, c'est important de moins faire de bruit. J'espère que ça répond à ta question. Est-ce que cette présentation existe en anglais aussi? Elle est très bien. Oui, cette présentation ici existe en anglais. Je pense que à sa fête donnée aujourd'hui avant midi, mais je suis pas 100% sûre. Mais continuez à regarder sur notre YouTube. D'ici à une couple de semaines, elle devrait être sur YouTube si tout va bien. Et peut-être qu'on le donnera de nouveau dans les prochaines semaines comme webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. So, c'est ça. Pour tout de suite, je veux vous souhaiter une belle soirée, une belle fin de semaine. Restez soins et saufs à la maison. Respectez les consignes que le gouvernement nous donne dans ces temps difficiles ici. Puis, moi, je vais finir notre meeting en anglais. Hein. Je suis bien chiante. Alors, je vais finir ça, puis je vous encourage d'aller au questionnaire pour répondre au questionnaire. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une très, très, très belle fin de semaine.